Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en VR et de découverte. On va parler du jeu dans quelques instants, mais avant toute chose, je voudrais profiter de cette petite introduction pour souhaiter un très joyeux anniversaire à un membre soutien de la chaîne, à savoir Jean-Marc Prieur, JME47, ça dépend en fonction du pseudo que vous lui connaissez, membre soutien très actif. Le premier membre soutien et le premier abonné que j'ai rencontré, donc c'était un vrai plaisir. On remet ça quand tu veux, mon ami. Et si par ailleurs, certains d'entre vous sont intéressés pour qu'on se rejoigne un jour et que vous êtes dans la banlieue marseillaise, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir qu'on se rencontrera. Je dois déjà à Kawat un rendez-vous, donc on va essayer de faire ça. Bref, on va revenir sur ce jeu. On va commencer Press Fire to Start Tutorial. Et on va le démarrer maintenant, ce petit jeu. Press fire, 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 c'est ça, c'est ça. Ah ben c'est fire. Alors on est sur une sorte d'arcanoïde en VR, pour tout vous dire, donc je sais pas du tout, encore une fois, c'est de la découverte pure, on va le découvrir ensemble. Ah ben on va commencer par le premier. Use L2R2 button, mais ça va trop vite. Aim the controller at the ball to rebound. Ok, d'accord, you can rebound from further, ok. Use the controller to launch the ball, ok. Mais je voudrais juste... On peut lancer ou pas? Il faut aller où en fait? Ben, donc là je change de main. Ah ouais d'accord, ok, c'est le tuto, pardon. D'accord, tuto. Enfin, je pense que c'est le tuto. Donc là en fait, si j'appuie sur les gâchettes, je change le pistolet de main. Ok, bon. C'est à peu près clair. Ensuite, c'est quoi? Fire and quickly direct the ball. Ok. Aiming. Ok, d'accord. Ça a l'air rigolo. Enfin, je sais pas si ça le sera. Practice. On va s'entraîner. Ah, mais ah oui, c'est vrai qu'il faut... Donc en fait, ouais, tu vises un peu les cibles. En VR, ça, enfin, par contre, accessoirement, bon, c'est un petit peu simpliste en termes de visuel. Hein. On est bien d'accord. Par contre, c'est plutôt extrêmement immersif en VR. Voilà, c'est ce que j'ai cherché le terme. Par contre, je fais comment pour sortir de là? Puisque je l'ai fait, je voudrais juste sortir. Je peux pas sortir? Je peux sortir ou pas? Parce que j'aimerais bien faire autre chose que ça en fait. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait un bouton exit, mais je sais pas où il est. Ah putain, je crois que je l'avais eu. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Bon, est-ce que tu penses que je pourrais finir ce niveau et sortir de là? Parce que là, au final, c'est bien joué, ça, mais il serait de bonne aloi que je puisse sortir de ce niveau, non? Bon, on va laisser mourir. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'au final, je peux sortir? Ah, voilà, exit, c'est là. On a practicé, on a fait tout. On va sortir de là. Allez, c'est parti, on va commencer... Alors, c'est une Alors, je précise encore une fois aussi, c'est important, c'est qu'une démo. Quand je dis c'est qu'une démo, il n'y a rien de péjoratif, ce n'est qu'une démo. Elle est disponible sur le PSN, donc si vous voulez aller la chercher, allez-y. Il faut savoir que cette démo donc, est disponible et que le jeu en lui-même coûte 14,99€ si je ne dis point de bêtises. Allez. C'est parti. Ah, bah, c'est une sorte de Tetris en fait. Ah mais c'est génial, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin c'est trop bien, faudrait-il que je sois bon, mais j'adore le principe. Alors effectivement, je suis pas sûr qu'à regarder ce soit le truc le plus fun qui soit. On est bien d'accord. 3 vies, j'ai vu que j'avais perdu un cœur. On a que 3 vies.
Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que par exemple, tu puisses faire des... donner des effets, tu vois, en tapant. Ouh, la musique un peu s'accélère. Ah, trop bien! C'est des bonus! Ah mince, j'ai pas eu longtemps. Extra ball! Wow, c'est trop bien! C'est trop bien! C'est excellent! Excellent, mais en VR, ça marche super bien, pardon. Ah, je me suis rapproché parce que j'ai perdu mon extra ball. Pardon. C'est... Le concept en lui-même est super simpliste, mais super original en VR. Donc voilà, oui, ça c'est... Oui. Bon, il faudrait que je finisse le niveau quand même. Par contre, tu peux les reprendre au volet, tu n'es pas obligé d'attendre qu'ils te reviennent dessus. Allez, extra ball, viens ici, petite. Musique plutôt entraînante. Après, voilà. En fait, je pense... Stratégiquement, il doit y avoir moyen de lui donner des effets. Pardon. Ah, je l'ai perdu ou pas? Non, il est toujours là. Ouh, j'ai pas vu m'arriver dans ma tête. J'adore le concept. C'est super bien. Yes. Alors j'ai trop deux étoiles parce que forcément j'ai perdu une étoile. Ok. Je trouve le format super original. Alors. Original, c'est du casse-brique, hein, d'accord, arcanoïde, etc. Donc ça a rien d'exceptionnel, mais vraiment c'est super drôle, pas drôle, super fun. Voilà, c'est plus le bon terme. Alors c'est une démo, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je sais pas du tout combien de niveaux sont disponibles. Est-ce qu'on est limité à 3, 4, 5, 10, 15 niveaux, j'en sais rien. 14,90€ après, franchement. 14,90€, je sais pas si on peut y jouer. Après, j'allais dire jouer à plusieurs. Je suis pas sûr que ce serait super intéressant. Parce qu'on peut pas jouer avec deux casques VR, donc forcément c'est mort. Pendant que un joue avec le casque peut-être, et la manette, peut-être qu'un pourrait prendre je sais pas, mais je suis en train de me dire qu'il y aurait un truc à faire à deux, par exemple un truc style un match en un contre un. J'imagine que un est en VR en face et que l'autre est de l'autre côté mais en 2D sur l'écran de la télé, et on pourrait se friter l'un contre l'autre. Ce serait un concept super original de jouer à deux. Ah putain, j'ai pas vu la balle, elle me revenait dans la gueule. Elle est où? J'adore la musique, je trouve la musique super sympa. Par contre, je comprends pas parce que je voulais alterner, changer de main, et j'ai pas réussi. Je joue avec la main gauche, donc pour le moment, je joue qu'avec une main. Alors que tout à l'heure, on a vu que quand on était dans le tuto, on pouvait changer de main pour récupérer les... Changer de pistolet de main, je veux dire. Pardon, excusez-moi. Alors, on va essayer de finir ce niveau. Il est passé de partout. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire s'il a un effet spécial? J'ai pas vu la balle. Dommage, ça c'est dommage par contre. Tu vois, j'ai le pistolet, si je me mets comme ça, est-ce que tu penses que... Ouais, il part un peu sur le côté. Si je fais ça, et si je tire droit... Ouais, il doit y avoir moyen de lui donner un peu d'effet à la balle, faire en sorte que ça parte un peu sur les côtés.
Ouais, ça marche, ouais, ça marche. Tu peux lui donner un peu d'effet de d'inclinaison. C'est-à-dire, si je veux la faire monter, bon là je peux pas. Pour la faire monter. Voilà, là je peux la faire monter un peu. Après tu fais comme tu peux, des fois. Tu vois, il faudrait que je fasse ci, tu fais un peu ce que le jeu te permet de faire. Hein. Ah, raté. Est-ce que... Yes, plus qu'une. Peut-être que j'aurai les 3 étoiles cette fois. Oula. Alors ce qu'il faudrait, pour rendre le challenge un peu plus amusant, c'est que la balle s'accélère. Ça, ça aurait été cool. Que la balle prenne un peu de vitesse en fonction du niveau pour rendre la difficulté un peu plus... Allez, on va sortir de là. On va sortir de là aussi. Donc on a fait celui-là. À chaque fois, ce sont des formes qui changent. Donc je pense qu'on peut faire ces 3-là et que tout ça, à mon avis, c'est bloqué par... Ah non, une étoile, 2 étoiles. Bon, on va tester celui-ci. Ah, on va tester. Oh, c'est joli. Dommage qu'il n'y en ait pas 2. C'est vraiment dommage. Dommage que, ouais, ce que je veux dire, dommage qu'on puisse pas se servir des 2 pistolets. C'est ça que je veux dire. Parce que là, elle est dans ma main gauche, l'autre, il sert à rien. Elle est là plus pour faire jouer qu'autre chose. Hein. Ah, j'ai raté. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, mais il y a une cible là-haut. C'est quoi cette cible là-haut? Est-ce que tu penses que... Non, je pense pas. En tout cas, l'idée me... Le format de ça, ça, c'est... C'est... Alors... Attention, je vais peut-être un peu, être un tout petit peu moins dithyrambique qu'à l'instant où j'ai mis la démo. Il faut que ce soit un petit peu... comment dire? Il faut pas que ce soit redondant, voilà. Il faut que le format du jeu, qui est plutôt rigolo, original, sous sa forme, ne doit pas devenir ennuyeux rapidement. Voilà, donc là, aujourd'hui, bon, la forme change, mais sur le principe, voilà, tu as des power-up, c'est super, les power-up, c'est bien, c'est mignon, c'est ce que tu veux. Mais ce qu'il faudrait, c'est, voilà, par exemple, que le jeu s'accélère un peu en mode Tetris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que une fois que tu as Tetris, quand tu faisais des lignes, au fur et à mesure que tu faisais des lignes, ben, les barres, elles descendaient plus vite. Voilà, il faudrait que ta balle revienne un peu plus fort. Alors, est-ce que c'est pas prévu à terme? Très certainement. Oh mais putain, l'extra ball m'est venu dans la gueule. Allez, on est pas loin de la fin les amis, pas loin de la fin de celui-là. Est-ce que c'est bon? Non, on n'y est pas encore. Il va rebondir sur une cloison, il va me repéter la gueule à un moment donné. En fait, je suis bête, j'aurais pu le faire venir d'entrée, moi. En fait, je suis un peu couillon dans l'histoire. Hein. Ouais, ça manque un peu de challenge à l'arrivée. Voilà, il faudrait que, voilà, une balle qui sait arriver, qui te pète, qui accélère, ou des ennemis, ou un truc, autre chose. Enfin, sur le moment, c'est rigolo. Et je trouve qu'après, ça perd un peu de. Un peu de son intérêt si c'est que ça. Voilà, je dis bien que si c'est que ça. Alors, si je fais ça, c'est pour recommencer. On va pas le recommencer. Tac. Ouais, on va sortir de là. 1, 2. Il reste ça. Il reste encore un derrière. Néon satellite. Si je fais number 28. Et ça, je crois pas que je l'avais fait, non? On va tester.
Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, si, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est qu'il aille derrière, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Après, c'est une démo, donc ça peut permettre à certains d'entre vous éventuellement de la tester, la démo, de se donner une idée. 15 balles, c'est pas non plus le truc le plus cher qui soit, mais c'est pas non plus le truc le plus sexy. Hein. Voilà, je le répète encore une fois, c'est... Oh là, 3 extra balles. Là, ça devient un peu plus amusant. Voilà, là, c'est rigolo. Voilà, là, je vois, le challenge, il commence à devenir... Viens, petite. Oh, pétard, elle me venait à la gueule, j'ai pas vu. Wow, j'ai failli la perdre. Allez. On est plus proche de la fin que du début, les amis. Oh. Tu croyais quoi? Tu croyais que tu allais m'avoir? On dirait l'ancien logo TF1 pour ceux qui se rappellent. Ceux qui ont connu TF1 avec l'ancien logo en forme de... Avec des... On aurait dit des briques Lego qui s'embriquaient les unes dans les autres. Un dernier. Pas mal. Après, quand tu as plus que deux, quand tu as deux boules ou trois, en fait, tu tapes dans les boules, tu sais pas vraiment où tu les envoies, en fait. Yes. Ah, 3 étoiles cette fois, pas mal. Hop, on va sortir de là et on va faire le dernier qui ressemble à une sorte de trou noir. Donc tac, tac. Ouais, on va tester Néon Satellite, mais je sais pas, franchement je sais pas c'est quoi la nuance entre les deux. Si j'arrive à viser entre... Ouais, mauvais. A priori ce sera fini, une fois que celle-ci sera terminée, je pense qu'on aura plus de niveaux. Ah, elle bouge. On va le bouger tout à l'heure déjà aussi. Hein. Ah, c'est malgré tout compliqué. Un niveau rigolo, le deuxième c'est amusant aussi. Bon, le troisième tu te dis bon c'est toujours la même chose. Le quatrième tu te dis bon faut faire quelque chose. Et au cinquième tu te dis ouais bon là c'est là où tu te rends compte que ben, comment tu voudrais faire pour innover si ce n'est effectivement créer une adversité autre que des pièces statiques. Comme on le disait dans Full Contact, non c'est pas Full Contact, c'est Bloodsport, une brique ne rend pas les coups. Ben, là en l'occurrence les briques ne rendent pas les coups donc forcément... C'est un peu compliqué. Je pense que tu peux vite trouver ça soporifique, c'est pas le bon terme, mais voilà, tu dis bon, voilà, ben, allez, c'est bon, j'ai cassé des briques, super. Et après, je fais quoi? Tu peux prendre ça une fois quand tu es avec des potes pour dire bah, vous connaissez pas le VR? Bien, j'ai perdu une vie. Regardez ce que c'est le VR, c'est ça. Voilà, c'est tout. Potentiellement l'intérêt. Je répète, ils auraient pu rendre la chose plus difficile, c'est-à-dire à chaque rebond contre un mur, je vous dis une bêtise, par exemple, tu peux avoir une vitesse de 1 à 1000, par exemple,
Et au début, un rebond, tu vas à une vitesse de 1. Dès que tu rebondis contre un mur, vitesse de 2, vitesse de 3, etc., etc. Et faire en sorte qu'au fur et à mesure, ta balle augmente et qu'au bout d'un moment, ce soit quasiment irrattrapable. Et que par défaut, ça veut dire qu'il faut que tu détruises tout ton décor le plus rapidement possible. Voilà. Ça pourrait être une sorte de challenge. Là, voilà, tu as compris quoi. Je trouve ça à la limite. Ben maintenant, voilà, je m'ennuie un peu. Voilà, je m'ennuie un peu. Et c'est pas forcément le but. Alors encore une fois, on n'est que sur la démo. Je sais pas ce que va donner le jeu une fois que tu as fini la démo. Est-ce qu'on a. J'espère qu'on a autre chose que des figures géométriques de la sorte. Et j'espère qu'on a peut-être un autre format. Mais en tout cas, c'est pas la démo qui te vend le mieux le truc, quoi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bon, par contre, ce serait bien d'avoir une extra ball pour accélérer un peu là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Dites-moi, parce que c'est... Bon. Voilà. Je vous lirai, évidemment, attentivement, comme je le fais à chaque fois. Une semi-petite déception, voilà. On va dire ça, hein. C'est fou comme passer l'instant de la découverte. Tu te dis, oh, c'est trop bien. Et après, tu... Mais j'ai pas vu. Et après, tu te dis, ah, ouais, mais c'est dommage. En plus, tu peux tirer avec, voilà, avec toutes les touches, donc c'est pas bon. Attends, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, non, ça c'est juste mis en pause en fait. Ouais, en fait, si tu appuies sur un autre bouton, ça te met le jeu en pause. Quel que soit le bouton, ça te met le jeu en pause. Voilà, ok. Si par exemple, tu vois, tu appuies la balle, au plus tu la gardes longtemps appuyée, au plus tu retardes ton coup, au plus elle part avec de la puissance. Un truc qui te challenge un peu, quoi. Ils n'ont pas réussi à faire ça. C'est dommage, parce que, comme je l'ai dit encore une fois, une démo a pour vocation à te donner envie d'y revenir. Je dis pas que j'ai pas envie, mais je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que tu tournes en rond, là. Là, tu tournes en rond. Voilà, c'est pas... ouais. À la limite, elle pourrait rebondir sur les murs en faisant changer le rythme de la musique ou un truc comme ça. Rendre le jeu VR avec un côté un peu plus rigolo quand tu lances avec de la musique. Mais, voilà. Il y a énormément de potentiel, oui, on ne peut pas avoir peur de le dire, dans ce type de jeu. Et je ne sais pas si ça a été exploité à terme, mais encore une fois, la démo est trop basique en fait. Voilà, on a quelques formes géométriques à abattre. La seule différence entre deux niveaux, c'est la forme géométrique, donc c'est un petit peu dommage. Extra ball, non, c'est pas possible. Je me suis engagé à ce que je fasse, que je finisse ce niveau, donc on va le finir évidemment. Je pense que j'ai perdu la moitié des viewers déjà là. Là, peut-être à la fin de la vidéo, il ne doit plus y avoir grand monde. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que même moi, je suis pas sûr que je serais resté sur ma propre vidéo par rapport au jeu que je vois là, hein, honnêtement. Donc dites-moi si vous êtes dans les si vous êtes encore là. Je vous féliciterai avec beaucoup d'amitié et de tendresse, franchement. Hop, hop, hop. Voilà, on est presque à la fin. On est presque à la fin. On est presque à la fin. J'ai dit on est presque à la fin, donc il faudrait que ce soit la fin maintenant. Hop, voilà. Et la dernière,
la dernière brique. Il faudrait que j'arrive à la choper par devant. Yes. Et voilà, on a fini tous les niveaux. On les a tous faits. On va revenir en arrière. Et vous avez vu, on a tout fait. 7 sur 5, mais voilà, c'est bloqué. Je pense que c'est la démo qui... Attends, il y a un point d'interrogation. Press fire to start tutorial. Non, pas du tout. Non, ça j'ai fait. Ah non, il y avait un truc. Attendez, il y avait un truc à la fin. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Extra ball. Power up. Ah ouais, mais ça, je les ai fait tout ça. Ah, multiplayer. Bon, bah, que vous dire, les amis? Ah, dès le début, en fait, tu choisis main gauche ou main droite. Et après, tu gardes ça. Ouais, c'est ça, doit être ça. En fait, tu vois, juste pour le fun. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as pris cette main, tu peux plus revenir en arrière. Ok. Allez, on va revenir. Bon, on va se quitter là-dessus. Bon, que vous dire. Intéressant, voire à la limite du enthousiasmant au début et ennuyeux sur la fin, véritablement très très ennuyeux. Bon, réalisation technique, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur des cubes, voilà, c'est du Lego, c'est du Arkanoid, donc c'est pas exceptionnel. Ce qui m'intrigue, moi, c'est de savoir, voilà, ce qu'il va y avoir dans les autres. Est-ce que les niveaux d'après, malheureusement, je peux pas le voir puisque, comme je vous l'ai dit, je suis dans la démo et tout est bloqué, mais je suis quand même intéressé de savoir ce qu'il y a après. Est-ce que les niveaux se densifient? Est-ce qu'il y a des trucs un petit peu différents, etc., etc. Après, il y a un challenge, regardez, j'ai eu qu'une étoile, là, il faudrait que j'en ai deux de plus. Donc, il y a peut-être des trucs potentiellement à faire qui seraient amusants. Mais voilà, je pense que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui devient vite, slash trop vite ennuyeux. Et c'est là où pour moi, c'est un petit peu dommage. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite découverte de jeu en VR. Dites-moi, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, encore une fois, ça m'intéresse. Et pour les autres, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en VR tous les vendredis. Vous le savez maintenant, je sors ma main de ma manette. Et je vous dis à très bientôt pour une aventure. Salut à tous.